Bonjour à tous, bienvenue dans En Peignoir, l'émission qui s'intéresse au thermalisme en Auvergne. J'ai pris aujourd'hui la direction de Vichy et je suis ravi d'accueillir dans l'émission le docteur Philippe Guérin. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Donc vous exercez la, la médecine générale et la médecine thermale à Vichy. Euh, je crois que c'est une ville hein, que vous affectionnez tout particulièrement. Tout à fait, parce que je suis d'origine vichysoise. Et, et, et Vichy, c'est une ville donc que j'aime depuis et que j'ai fréquentée depuis ma tendre enfance. Alors j'ai l'habitude de dire que l'eau thermale a fait Vichy avec tout son charme. C'est-à-dire que l'eau a créé une dynamique qui était propre à la santé avec le thermalisme et tout ce qui entoure le thermalisme, une dynamique touristique avec les spectacles, l'activité intellectuelle, les sports, le plan d'eau dont nous bénéficions beaucoup, et une dynamique économique. Et actuellement, la candidature de Vichy au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que la position de Vichy comme ville d'entraînement en vue des Jeux Olympiques de 2024, c'est donc merveilleux d'habiter Vichy. Exercer la médecine générale et exercer la médecine thermale dans cette ville est un plaisir, et ce sont, tout en réfléchissant, des médecines complémentaires. La médecine thermale est stimulante parce que euh, voir et revoir euh, une fois par an des patients qui viennent de régions diverses, qui ont des habitudes diverses, des alimentations diverses, des accents divers parfois et des pathologies diverses, tout cela est évidemment très stimulant. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent bien, mais en quoi consiste votre rôle de médecin thermal alors, le médecin thermal fait partie d'une chaîne qui entoure et accompagne le curiste et où tous les maillons de la chaîne ont de l'importance pour la réussite d'une cure. Euh, je pense qu'il faut être au plus près du curiste pour mieux le soigner, être au plus près des responsables de l'accueil et des plannings, être au plus près des balnéothérapeutes, des coaches sportifs, des infirmières, des sophro et des psychomotriciennes qui font partie de l'équipe thermale. Le but euh, est évidemment le bien du curiste et l'aider à maintenir les bienfaits et surtout à poursuivre sa prise en charge dans l'après-cure. Il n'y a pas de plus belle satisfaction euh, pour moi médecin euh, d'avoir des patients qui, en partant, me disent on a pris conscience, on va faire quelque chose, on va s'inscrire, on va marcher, s'inscrire à un club, etc. Euh, docteur, vous occupez le, le poste de conseiller technique des établissements thermaux euh, de Vichy. Euh, cela vous permet en fait d'être au, au plus près de, de votre passion Oui, absolument. Puis le médecin conseil euh, euh, des établissements thermaux représente euh, la caution scientifique de la station thermale. Euh, il est en relation directe avec les établissements thermaux, avec les soins avec le personnel des établissements. Il est en relation directe avec les curistes lors des soins. Il peut répondre aux questions diverses. Il est aussi en relation avec le corps médical de Vichy et avec les médecins en général pour informer, répondre aux questions sur les indications éventuelles d'un séjour thermal pour leurs patients. Alors, sur quoi repose votre conviction bien ancrée quant aux grandes qualités thérapeutiques des, des eaux de Vichy Alors, les eaux de Vichy, leur définition, ce sont des eaux thermominérales gazeuses bicarbonatées sodiques. C'est-à-dire qu'elles sont thermales chaudes, minéralisées, richement minéralisées, gazeuses, c'est le gaz carbonique qui les fait surgir et elles sont bicarbonatées sodiques, c'est leur composition principale. Elles contiennent aussi de la silice, du lithium et d'autres sels minéraux et oligoéléments. Tout ça confère à l'eau thermale des propriétés digestives, on sait les propriétés antiacides, antispasmodiques, des propriétés sur le foie, sur le pancréas. Et aussi des propriétés générales, donc des propriétés d'hydratation, de détoxication, de drainage, de régulation de l'équilibre acido-basique. Et vous savez que on a parlé beaucoup, c'était à la mode l'équilibre acido-basique. Et à Vichy, euh, on régule l'équilibre acido-basique depuis maintenant des générations. Donc ces eaux sont utilisées en, eau de, en cure de boisson et sont utilisées pour les soins thermaux. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, ben brièvement quelles sont les différentes euh, cures possibles au terme de Vichy On en a déjà parlé sur cette antenne, mais c'est bien bien de le rappeler. Alors, les indications thermales sont des indications digestives, l'appareil digestif, la sphère digestive, et on touche à tous les étages du tube digestif en partant de la bouche pour aller jusqu'au côlon et tout en passant par les organes nobles, le foie et le pancréas. Euh, action sur l'appareil locomoteur c'est-à-dire pour tout ce qui est ostéo-articulaire à la fois les signes d'arthrose les suites de chirurgie orthopédique les suites de séquelles traumatiques des algodystrophies l'ostéoporose la fibromyalgie et puis les troubles métaboliques c'est-à-dire la surcharge pondérale le diabète l'acidurique et tout ça, tout ça se, euh, se tient parce que euh, souvent, lorsqu'il y a un problème locomoteur, l'activité physique est réduite, on marche moins, on prend du poids, retentissement sur les articulations, donc accentuation des douleurs, on est obligé de prendre des médicaments pour calmer les douleurs, euh, par paracétamol ou anti-inflammatoire, retentissement sur la sphère digestive, donc... Euh, L'organisme, c'est un tout et la prise en charge thermale à Vichy va s'occuper de tout, à la fois de la prise de poids, l'appareil locomoteur et des conséquences digestives, éventuellement des médicaments qui ont été pris. Donc, euh, au niveau des cures, on a des cures conventionnées avec indication digestive et rhumato et souvent le double forfait mmh. permet une meilleure prise en charge complète. Euh, aux soins thermaux et cures de boissons, on ajoute des conseils d'hygiène et de diététique d'activité de, physique et on donne des conférences avec l'encadrement à vichy professionnel qui sont attentifs aux besoins aux capacités et aux demandes de chacun. donc ça c'est dans le cadre des cures conventionnées. et puis on a développé aussi à vichy euh, des programmes d'éducation thérapeutique comme le PAX, qui est un programme après-cancer du sein, et le programme Thermaling, qui est un programme d'accompagnement perte de poids. Bien entendu, la cure thermale con conventionnée dure trois semaines et beaucoup de personnes. Euh, euh, n'ont pas la possibilité de s'absenter trois semaines. Et donc, on a des programmes plus courts et des séjours plus courts, des mini-cures de, avec des indications digestives et rhumato. On a des séjours après cancer, des séjours maigris ravichis, des séjours diabète, douleurs articulaires et remise en santé. Donc, c'est assez large. Une très belle offre. Euh, merci docteur euh, Guérin. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler euh, du De ce peignoir, je suis toujours avec le docteur euh, Philippe Guérin, euh, médecin général et médecin thermal euh, à Vichy. On parle donc du, du thermalisme dans la, la reine des villes d'eau. Euh, docteur, euh, Vichy, on peut dire, fait partie des, des stations un petit peu précurseurs sur la, la prévention santé. C'est important maintenant dans le thermalisme. Alors tout à fait, Vichy répond à, à ce qu'on appelle la nouvelle politique ministérielle sur la prévention et l'évaluation des cures thermales sur un plan scientifique et économique. On doit définir ce qu'on appelle le SMR, c'est-à-dire le service médical rendu. Et Vichy a fait des études qui ont été organisées par l'AFRET, c'est l'Association française de recherche sur le thermalisme. On a fait des études sur l'arthrose, sur la perte de poids, sur le post-cancer du sein, etc. Et euh, notre médecine thermale euh, répond au principe des 6P, 6P comme point, qui régit la nouvelle médecine. C'est-à-dire que c'est une médecine préventive, prédictive, personnalisée, de précision, participative et prouvée. Voilà la nouvelle médecine thermale. Alors, docteur, vous vous investissez régulièrement dans différents projets pour développer le thermalisme de Vichy. C'est stimulant pour vous Mon investissement dans la médecine thermale, je vais dire, c'est une passion. Et j'ai souvent dit que la médecine thermale, c'est-à-dire les curistes et la compagnie de Vichy, euh, était ma deuxième famille. Euh, je dois dire que mon épouse, avec humour, me corrige assez souvent en disant que c'est en fait ma première famille. <laughs> voilà. Euh, vous avez vu euh, évoluer le, le thermalisme hein, depuis plusieurs décennies. Euh, quels sont les, les points les plus positifs que vous avez envie de retenir dans le thermalisme actuel Alors, euh, c'est très important parce que l'évolution du thermalisme a permis de mettre en avant scientifiquement ses valeurs médicales. Le thermalisme a évolué vers une prise en charge globale car les stations thermales sont devenues des centres d'hygiène de vie, des lieux privilégiés de traitement, des lieux privilégiés d'information, d'éducation, de prévention et de gestion du patrimoine vital. Le tout dans un environnement qui doit être idéal, entouré de professionnels de santé. Et la station thermale est un lieu où on prend le temps de s'occuper de soi. Euh, on le dit souvent, Vichy a un formidable potentiel de développement encore, euh, non Alors, euh, je suis personnellement très optimiste et deux événements majeurs ont marqué Vichy en 2019. Euh, tout d'abord, le compromis de rachat du patrimoine thermal par la ville de Vichy, c'est quelque chose de capital. Et puis le rachat de la compagnie de Vichy, exploitant thermal, par le groupe France Term. et c'est aussi très, très important. Et je pense que nous allons certainement bénéficier de l'expérience très positive de ce groupe qui a fait la preuve ailleurs de sa gestion thermale, de sa gestion bénéfique thermale. Alors, à Vichy, on peut ajouter la candidature UNESCO, ça c'est aussi très important. On mettra le temps, mais je pense qu'on y arrivera. Et puis la préparation aussi d'équipes sportives pour les Jeux Olympiques de 2024, etc. etc. Oui, un très, un très beau programme pour Vichy. Euh, docteur, je, je, sais pas, je pense que vous n'avez pas le temps d'écouter l'émission, mais j'ai une question rituelle, enfin. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois alors écoutez, je porte régulièrement euh, ma blouse blanche de médecin lorsque je vais faire euh, des visites à l'établissement thermal. Et il m'est arrivé que le dernier jour de soins de la saison 2018, euh, j'ai eu envie de troquer ma blouse au vestiaire par un peignoir. Et j'ai fait ma visite de l'établissement en peignoir. Certains curistes m'ont reconnu, d'autres non. Et par contre, le personnel, évidemment, m'a reconnu. J'étais donc au plus près de tout le monde, à la fois des curistes et des soignants. Et j'avoue que j'ai reçu alors un, un accueil des plus sympathiques. On imagine que c'était un, un grand moment. Euh, merci beaucoup pour votre participation à, à l'émission et on vous souhaite une excellente saison thermale 2020. Merci beaucoup et puis je souhaite à, à tous mes confrères aussi de faire une très bonne saison et, et, pour, et que nos curistes soient toujours très satisfaits.